Hello, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play dans Horizon Forbidden West. Donc pour rien de vous cacher, ça fait un petit moment que je n'ai pas lancé Forbidden West, tout simplement parce que je me suis un petit peu consacrée à... Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? J'allais dire T'as un Demon's Souls. problème avec moi? Le problème, c'est les étrangers. Elden C'est eux que Ring. je vois aujourd'hui. Ne t'attarde pas trop, la terre s'en portera mieux. Ici, on n'a pas de place pour les mauvaises herbes. Je pensais que soulager la Quel douleur de accueil. votre dieu de la terre m'aurait valu un meilleur accueil, mais... Ré va mourir de toute façon, comme chacun d'entre nous. Pendant ce temps, les étrangers viennent pour piller le peu qu'il nous reste. Comme cette chasseuse Karja que j'ai vue plus tôt, qui était habillée en oiseau et qui traînait une fille Outarou comme si c'était son esclave. Elle l'a appelée Grive. Je connaissais pas ce mot. C'est sûrement une vieille insulte Karja. Quoi? Une chasseuse Karja et une grive Outarou? Hé, tu crois que je parle toute seule? Oui, je les ai vues aujourd'hui, vers le sud-ouest. Elles courent à leur perte. Il n'y a pas de perce-fruits là-bas. Il y a trop de machines. Pauvre fille Outarou, quel que soit son nom. Que ses graines trouvent sol fertile. Ce n'était pas ton intention, mais tu m'aides peut-être à retrouver une amie. Merci. Garde-le, ton merci. J'en veux pas. Ok, super. Mes articles te seront utiles à la chasse. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah oui, c'est vrai, il y a ça. J'utilise jamais ça, la réserve, en fait. Mais bon, est-ce que j'ai des munitions? Non, j'ai rien, en fait. Je fais tout le jeu, j'ai rien. C'est quand même triste. Les ressources, non. Ça. Je ne te fais pas confiance. Bon ben, je suis vraiment bien. Comment dirais-je? Il faut du matériel de qualité pour survivre à la chasse. On ne je dois m'apprécie pas. Retrouver Var les eaux à Mélopée. Pour demander au cœur si on peut entrer dans leur grotte sacrée. Minerve devrait être à l'intérieur. Si je mets la main dessus, je pourrais relancer Gaïa. Et peut-être découvrir qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Mais d'abord, je pourrais aller au sud-ouest pour retrouver une vieille amie. Je me demande comment elle va. Je retrouverai ça dans ma réserve. On va continuer là sur notre quête principale. Ce bruit. Il doit y avoir un grand coup près d'ici. Ah, bah un grand si je coup le là! pirate, je pourrais obtenir des données sur la région. Sauveuse de Méridien. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu te diriges vers les ruines au sud, tu ferais mieux de te préparer au combat. Un groupe de Ténac a monté le camp. Ah, on le voit le grand coup derrière, là-bas au fond. De machines. Voyez, un petit peu à la droite. Ils sont assez hostiles. Je ferai attention. Nice, on va faire. On dirait des Tweak. rebelles. Ils sont très proches du territoire Karja. Grand coup. On va essayer de le faire celui-ci. J'avais lâché l'affaire sur un grand coup qu'on avait vu précédemment, mais dans l'aventure. Du coup, je sais même pas si c'est en vidéo, si ça apparaît dans une de mes vidéos, je crois pas. Je peux remplir ma bourse avec ça. Alors, où es-tu? Alors, pourtant, t'es grand. Hein. Ça se déplace vite vu que c'est très grand. On dirait bon. Une parabole. Si je grimpe dessus, je devrais pouvoir atteindre assez facilement. Bon, il y a des machines, on va peut-être s'en débarrasser avant par contre. Oh, mince, du coup, attends, faut que je me... Faut pas que je merdouille au niveau des commandes. Parce qu'après avoir passé du temps dans Elden Ring, c'est pas du tout les mêmes commandes, évidemment. Oui, elle m'a vu, super. Ah, par contre, si je me retrouve encore coincé dans des angles chelous, c'est bon la caméra, hein. Zut crotte, hein.
Mais j'ai rien contre l'idée, moi, de les combattre, mais encore faut-il... Mais sérieusement. Où es-tu ? Non, pas popopo. Eh, c'est bon là. C'est chaud pour moi, sérieux. En même temps, mince, je sais même plus comment actionner le... Attends, l'arc, voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, j'ai plus de munitions. Bon, fabriquer. C'est bon. Je t'ai entendu, toi. Ah non, comme ça. Mais non, ah, gurgre. Tiens. Par contre, non. Voilà, je voudrais ça. Bon, ouais, bref. Ben pourquoi, Aloy, pourquoi tu n'utilises pas ta lance? Sérieux, là? Mais Aloy, oh, ben j'arrive à rien, sérieusement, c'est lourd un peu, là. Où es-tu? Et... Attends. Non, c'est pas ça. Bon, ben... Non, mais je veux... Il est où, mon... Ah, voilà. Pitoyable, mais alors vraiment pitoyable. Hein. Mais ah, j'ai plus de. Vous savez que je suis presque morte. Et j'avais pas des... Ah si, j'avais potions. Comment on fait? Voilà. Oh bah t'es morte. Misère. Ouais. Nul. Peu importe. Je pourrais prendre ça dans ma réserve. Bon, alors donc, on était en... L'idée de base, c'était de grimper là-dessus. C'est... Je suis pitoyable, vraiment. Hein? Oh, ben sérieux. Ah là 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 là. Sérieux, c'est foutu exactement comme celle que je vous avais pas montré en vidéo en fait pour l'autre grand coup, j'ai l'impression. Vas-y, s'il te plaît, Aloy, ne reste pas là. Hein? What? Bah... C'est pas sérieux? Bon, attends, on va écouter ça, tant qu'on est redescendu. Hein.
Enfin, j'ai pas spécialement envie d'écouter, hein, mais au moins je l'ai récupéré. C'est juste à côté, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a fait là? Mais ouais. Vraiment, hein? Attendez, donc ça vient pas de moi, il y a un problème. Elle passe à travers la plateforme. C'est quoi ce truc? Vous avez vu? Mais quand même, je suis pas si débile que ça, faut pas exagérer. Elle passe à travers la plateforme. Je vais essayer de sauter une fois que je suis arrivée en haut, parce que là, il y a eu un problème dans le code du jeu là. Saute. Ah non, je passe quand même à travers. Oh, ce bug. Mais what the fuck. Attends. Du coup, je vais essayer autre chose. Autre chose, pardon. Je vais essayer de parler français. J'ai même pas eu le temps d'essayer. Ouais. C'est relou. Bon, ben on va pas le faire. C'est pas encore aujourd'hui que je vous montrerai le grand coup. Sont trop difficiles à escalader. Je dois trouver un autre moyen. Non, mais l'autre moyen, c'est que je me barre, hein, parce que ça marche, ça fonctionne pas. Bon, et eh bien, super. Ça aurait été encore très instructif. Si je ne parviens pas à relancer Gaïa, ce sera comme ça partout. Nous avons des gens par ici. Bonjour les gens par ici. Ouh, c'est quoi cette machine? D'être dieu de la terre des Outarou. Il sème la miel dans les champs. C'est comme s'il suivait encore le programme. Ouais. Même si ça signifie que tout va mourir. Une catastrophe tout ça. Une catastrophe écologique, hein, finalement. Attention étrangère, ces plantes ne font que du mal. Très jolie l'ambiance sonore ici. Attends. Qu'est-ce que tu me dis? Une étrangère à Mélopée. Écoutez la rumeur. Un petit avertissement. Évite les ruines au nord-ouest de Mélopée. Quelque chose me dit que je vais y aller. L'éclaireur affirme que quelque chose illumine les ruines la nuit tombée. Quoi que ce soit, ça doit pas être naturel. Ah d'accord. Quelque chose illumine les ruines. Ça pourrait être une technologie antique. Ça vaut le coup. Je suis là, comme promis.
cette chanson. Ça veut dire que le cœur est prêt. C'est très joli. C'est assemblé. Je n'y serais pas arrivée sans Varl. Et je ne sais pas si ce sera utile. Le cœur ne semble pas accordé. La situation à la grotte est déjà tendue. Le dieu Fa n'est toujours pas ressorti. Et tous les jours, d'autres machines tueuses tentent de sortir de force, en se jetant sur le cordon défensif que nous avons placé à l'entrée. Mais ce n'est que la première de nombreuses fausses notes. Ta demande a mis en évidence de grandes divisions au sein même du cœur et de la tribu. Qu'a fait Varl ? Tu dis que tu n'aurais pas pu réunir le cœur sans lui ? Tu as fait quoi ? Des membres du cœur ont refusé de venir débattre de ta demande. Ils estiment que la grotte n'appartient qu'aux dieux. Mais Varl s'est dit que ce que tu as fait à Ré pourrait nous être profitable. Parfois, demander aux dirigeants ne suffit pas. Il faut le soutien d'autres gens. De beaucoup de gens. On a raconté aux autres ce que tu as fait pour Ré. Et peut-être un peu exagéré les choses. L'intérêt des gens a fait pression sur le cœur. Et ils ont accepté de se réunir. Ça a marché quelques fois sur les matriarches. Et même avec ma mère. Une fois ou deux. Bien joué. Tes talents en politique nous seront utiles. Oh non, on aura toujours besoin de toi et de tes talents spéciaux. Je sais bien que cette grotte est sacrée, mais pourquoi le fait d'y entrer cause autant de remous ? Ces remous ne datent pas d'hier. Beaucoup dans la tribu, surtout dans le cœur, veulent poursuivre ce que l'on fait depuis toujours. C'est-à-dire, pas grand-chose. Tandis que d'autres veulent du changement, ou des mesures extrêmes. Ta demande n'a fait que raviver ce vieux débat. Ah, les traditions. J'ai souvent affaire à elles. Mais il vaut mieux respecter les coutumes de chaque tribu. Si tu le dis. Vous avez érigé des murs autour de la grotte. Juste des barricades en bois. On ne sait pas tailler la pierre, comme les Karja ou les Océram. Ce sont vraiment nos archers qui gardent les machines à distance. Ils subissent sans cesse de nouvelles attaques. J'espère qu'ils tiendront. Quel genre de machines émergent de la grotte ? Des pillards et des chasseurs-tueurs. Mais ils sont beaucoup plus puissants qu'auparavant. Plus vicieux, avec cette étrange lueur violette. Je crois que je vois. Tu as déjà vu ces machines ? Si, c'est bien ce que je crois, alors oui. Le problème vient sans doute de l'intérieur. Ça me fait une raison de plus d'y entrer pour corriger le tir. Bon, le cœur est assemblé. Et maintenant ? Ils étudient ta demande. Donc, on doit aller leur parler ? Quand tu seras prête, mais ne t'inquiète pas. Ils vont en débattre pendant un moment. Ce genre de réunion peut durer des jours. Ah, on n'a pas des jours, nous. Alors je devrais peut-être me ravitailler. Qui sait combien de machines traînent dans cette grotte ? En admettant que le cœur t'autorise à y entrer. Elle va y aller. Elle peut être très convaincante dans ce genre de discussion. On verra bien. Tu peux prendre ton temps. On t'attendra plus haut. Là où le cœur s'est rassemblé. Ah là 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 là. Bon, eh bien, bien, c'est pas si mal, c'est pas si mal. On va peut-être regarder quand même, faire voir. Bon, ça va aller, on va pas s'embêter que ça. On va dire que je suis prête à... Allons.
Peut-être aller voir là-bas ce qui se passe quand même. Ah oui, un établi, tiens. Amélioration d'armes. Si, si, attends, attends. Oh, je peux pas. Je peux pas. Non, ce qu'il y avait écrit, ça m'intéresse pas vraiment. Pouette. Ah, lui, on va l'améliorer, hein. Ah, un emplacement de bobine vide, cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Fabrication de pièges, fabrication de potions. J'ai plus assez, on va faire celui-là. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, pas dose d'écureuil. Pour améliorer le sac, tant pis. Et là, tu me dis encore, on est la meilleure chose. Ah bah oui, forcément. Bon, allez. Allez, allez. Et peut-être ça, du coup. Et en plus, c'est un emplacement de bobine. Ouais, un trophée. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Alors, les rumeurs disaient vrai. Tu dois être la guerrière qui a vaincu le champion de Regala et qui a entraîné cet endroit dans une révolte. Qu'est-ce qu'une Ténac fait à Mélopée? Je me ravitaille avant d'aller à la zone de chasse. Tu devrais y aller, c'est au nord-ouest d'ici. Je suis sûre qu'une guerrière coriace comme toi réussirait les épreuves. Pourquoi pas? Je t'y verrai peut-être. Oui, il y a les épreuves de chasse du coup aussi. Il y a tout. Compétence, ben non. Inventaire du coup, arme. Et si je veux l'équiper? Je vais l'équiper. J'ai pas dit que je voulais pas l'équiper. Non, ça va pas être ça. Bobine. Ben non, ça va pas être ça non plus. Bon, on fera ça plus tard ou hors caméra. Ouais, non, attends. Là. Augmente la charge des dégâts d'acide. Augmente les chances d'infliger un coup critique. Voilà. C'est pas mal. Donc, oui, on va s'arrêter là. On va aller vers notre objectif principal. Et peut-être que la vidéo va se terminer. Bonjour. Je vois que la chanson se poursuit. Donc ça veut dire que le cœur débat encore? Les gens chantent pour apaiser le cœur, surmonter leurs différends. Ce ne serait pas nécessaire s'ils étaient en harmonie. Je vais pas devoir chanter, dis-moi. Bien sûr que non. La chanson prendra fin quand on se présentera. Tu es prête? Allons-y! Très bien, allons leur parler. Il va se passer un truc important. Thank you.
Parle. Votre grotte sacrée, elle renferme quelque chose dont j'ai besoin. Si je le récupère, Jo ça va... et Lenora nous ont raconté ton parcours et ce que tu cherches. Il n'y a aucun esprit dans la grotte, hormis Fa, notre dieu de la terre, qui est entré pour ne jamais ressortir. Le pouvoir des dieux de la terre est défaillant. Nous sommes condamnés. Ces histoires d'esprits ne nous sauveront pas. C'est la fin. Nous fanons, mourons et fertilisons la terre pour créer la vie. Ceci est l'ordre naturel des choses. Mais vous voulez vraiment vous laisser mourir et finir en nourriture pour les vers? Littéralement? Des mots d'une étrangère qui fait litière de nos coutumes. De grâce. Elle a apaisé Ré, je vous le rappelle. Écoutez-la. Tu as déjà fait preuve de témérité auparavant, Zo. Mais n'oublions pas que tu as tout fait pour mener une guerre risquée contre les Karja. Elle, au moins, elle essaie d'aider. Ah oui. En t'invitant à enfreindre nos coutumes. Devrions-nous changer nos us pour complaire à chaque étranger impudent qui s'aventure dans Mélopé? Non. Vous devez les changer parce que vos propres terres menacent de vous tuer. Nous avons regardé, sans rien faire, nos dieux de la terre périclités. Vous voudriez qu'on fasse de même avec nos voisins? Nos enfants? Et cette étrangère nous sauverait à elle seule. Absurde. Sachez qu'une seule graine est impuissante face au cycle infini de la vie et de la mort. Pas d'accord. Une alarme. Elle provient des montagnes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça venait des défenses? Faites une alarme! Les machines ont dû percer nos défenses. Alors on doit y aller. Que fait-on pour le cœur? Si nos défenses sont tombées, plus rien ne peut nous empêcher d'entrer dans la grotte. On va pouvoir se passer de permission. Rébellion, rébellion. Ça veut dire qu'on va commencer à se battre tout de suite. Déjà vu ce genre de machine. Des tueuses de chasse. Hey, dis donc toi. Tiens, on va essayer d'être un peu plus stratégique. Hein. Par contre, tu peux me donner... Les verts qui gâchent la visibilité. Où es-tu? Bah oui.
Les autres vont tenir le coup. Merde. Tu veux qu'on continue? Bah on continue, on continue, on continue. On continue pas, on continue, on continue pas. Tu crois vraiment qu'on peut faire quelque chose contre tout ça? Si je me trompe pas... Non. C'est bon là. Ensuite. Peut-être récupérer des trucs quand même. Non, non. C'est bon. Alors on continue en direction du coteau. Allez, go. Ben, sympa ça. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter bientôt. On va reprendre notre parcours vers notre objectif. Oui, on reprend dans la prochaine vidéo. Pour celle-ci, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao !